Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui je me suis posé une question toute simple. Nous avons Macron qui s'agite face à la Russie avec ses déclarations de plus en plus belliqueuses. Mais comment vont agir les principaux intéressés Comment va agir l'armée française face à Macron Je vous propose c'est de regarder... Avec l'oracle de Béline, de prendre le temps eh bien, de regarder comment va évoluer l'armée française vis-à-vis -vis de cette folie guerrière. Seront-ils toujours prêts à suivre le chef de l'État? Et c'est vrai que on oublie trop souvent le président de la République, c'est le chef des armées. Mais est-ce que l'armée va obéir aveuglément à la folie guerrière d'Emmanuel Macron? Où est-ce que l'armée va, non pas prendre le pouvoir en France, non, mais tout simplement refuser de suivre le chef de l'État dans cette folie guerrière Et donc je vais poser à l'oracle la question de façon très simple, comment l'armée française va-t-elle évoluer face à cette folie guerrière du chef de l'État vous voyez, une question toute simple, neutre, parce que je ne dis pas qu'ils vont suivre ou pas, ou pas suivre. Je demande simplement comment ils vont évoluer. Je parle peut-être de folie guerrière, mais parce qu'on le ressent quand même dans l'opinion. Il ne faut pas être euh, aveugle à ce point. La première carte. Il y a des choses qui bougent. Nous sommes avec la carte entreprise, qui est une carte mercurienne et non pas guerrière. Donc, déjà, ça dénote que l'armée française n'est pas, sur un plan militaire, prête à aller au combat. Au contraire, il y a des discussions. Les discussions, c'est quand même quelque chose qui est rare. Ça sent quand même l'armée qui discute les ordres de leurs supérieurs. Vous voyez, il faut le prendre comme ça. L'armée française est en train de discuter de ce qui se passe à l'Elysée. L'armée française discute les ordres d'Emmanuel Macron. Pas face à Emmanuel Macron, mais on a presque l'impression que les chefs des différentes armées françaises, l'armée de terre, l'armée de l'air, même la marine française, euh, tout le monde discute, tout le monde s'interroge. Dans l'ombre, il y a des échanges. Mercure, la carte mercurienne, c'est quand même une carte de discussion avant tout. C'est aussi, on le dit trop souvent, c'est une carte de réseau. L'armée, c'est un réseau, le réseau militaire. Et on sent bien que quelque part, d'habitude, les militaires, ça ne discute pas un militaire, ça obéit. Point. Là, nous ne sommes pas du tout dans ce registre. Les militaires parlent entre eux et parlent de la situation. Pour l'instant, on en est là. Il n'y a pas. On ne sait pas ce que va préconiser, ce qui va se passer ici. Mais rien que ça, rien que cette carte, on sent bien que il y a déjà le grain de sable. Et que les militaires sont peut-être conscients de la faiblesse de l'armée française, sachant que de toute manière, tous les autres pays ont dit non. Et ça, un militaire en est conscient, l'armée russe est quand même une armée habituée au conflit, ils sont intervenus en Syrie, ils sont intervenus dans divers points du globe. L'armée française est intervenue certes au Mali, mais pour être mise dehors, il ne faut pas l'oublier. Alors ce n'est pas que l'armée a failli. Mais ça dénote quand même que faiblesse de la puissance militaire française face à des opérations particulières. Faiblesse parce qu'il faut en être convaincu. Militairement, euh, au niveau des munitions, au niveau de la puissance de feu, il y a un problème. Comment envoyer des troupes au sol face à une armée surentraînés, face à une armée puissamment armée, on va les envoyer avec quoi Les baïonnettes Vous voyez, c'est en ça, l'armée française n'est pas plus bête qu'une autre armée, mais il faut des... si on envoie une armée, il faut des obus, il faut des munitions. Or, tous les spécialistes sont unanimes, il n'y a pas de quoi tenir plus d'une semaine. On frise le ridicule. On ne peut pas envoyer vraiment la marine française, donc on va envoyer quoi Trois avions, quatre avions, et puis on n'aura plus de sous pour les faire voler Vous voyez, il y a plein d'interrogations dans ce sens-là. Et Emmanuel Macron agit de façon inconsciente. Mais les militaires, ça discute. Et voyons ce qu'il va aller contre c'est qu'au fur et à mesure du temps, nous sommes sur Saturne les militaires. On sent, eh bien, ne veulent plus suivre. Comme ce, cette tour euh, qui est érigée, et petit à petit, on a l'impression de démission, de refus. Ce n'est pas l'attitude d'une armée qui va aller au combat derrière le chef de l'État. Je vous avais dit qu'il n'y aurait pas de toute manière de, de militaires qui, auraient, qui iraient au sol en Ukraine. Ça, ça faisait partie d'un tirage que je vous ai fait. Mais ce que je voulais surtout regarder, c'est l'attitude des militaires eux-mêmes. Ils sont quand même les premiers concernés. Il faut leur rendre hommage. Ils prennent des risques énormes dans leur métier. Là, ils ne vont pas suivre Macron. On sent des désertions, des démissions, des gens qui ne veulent pas y aller, qui le disent clairement. Et ça, au fur et à mesure du temps. Et le conseil eh bien, le conseil, c'est de changer de mode de communication. C'est de changer la communication. Ce qui montre bien que même l'oracle dit aux militaires n'y allez pas. L'oracle, je vais vous le dire honnêtement, un support en voyance est toujours neutre et surtout, toujours en tout cas tourné vers des solutions plutôt apaisantes. Un oracle n'est jamais guerrier. Ça le confirme. Il y a moyen de changer les choses. L'armée a un pouvoir. Face au chef de l'État, face à cette folie guerrière, l'armée, de toute manière, n'a pas envie d'y aller. Et regardez, en réalité, face à cette folie guerrière, l'armée est en réaction face à la folie guerrière, c'est-à-dire face à Macron. Nous avons bien une carte martienne ici. Mais ne la comprenez pas à l'envers. Reprenez la question. Comment va évoluer l'armée française face à la folie guerrière d'Emmanuel Macron. Ils vont réagir de façon agressive face à Emmanuel Macron, parce que ce n'est pas face à la Russie, ils ne vont pas aller faire la guerre là. Là, il faut toujours tenir compte de la question, et c'est pour ça que j'insiste toujours, parfois peut-être un peu lourdement, pour dire attention en voyant s'il faut interroger son oracle, ne pas balancer quelque chose et tirer des cartes au hasard. Non, il faut poser une question précise, la mieux formulée possible et s'en tenir à cette réaction et s'en tenir à la question là l'armée française ne va pas aller faire la guerre c'est une garde guerrière mais face à emmanuel macron c'est une révolte de l'armée française une opposition ça ne veut pas dire que l'armée française va faire un putsch non attention ne tombons pas non plus dans l'excès mais ça montre que l'armée française va s'opposer au chef de l'état pour aller faire la guerre en Ukraine. Il y a donc une opposition totale de l'armée française. Totale ou presque, parce que nous avons ici un bémol, la carte inconstance. La carte inconstance représente une division, une fracture dans l'armée. Ceux qui sont prêts à obéir aveuglément, ils sont minoritaires, et ceux qui sont totalement dans le rejet. Alors c'est vrai qu'il y a un devoir dans l'armée, on obéit au chef de l'État, c'est vrai. Ce n'est pas une excuse, c'est un fait. Mais quelque part, il y a une grosse révolte, et pour moi, nous avons une armée qui va, en partie, refuser d'obéir au chef de l'État, dans sa folie, d'entraîner la France dans une guerre face à la Russie. Alors on peut se demander finalement quelle sera la réaction du chef de l'État face à cela. Eh bien posons la question. Terminons sur quelque chose. Est-ce que finalement Emmanuel Macron va avoir une colère Va avoir une réaction Quelle va être la réaction en réalité Avec lui, on peut parfois se poser des questions quand on voit certaines réactions. C'est vrai que... J'ai tendance un petit peu à, à être de parti pris, mais je vois les réactions dangereuses d'un personnage qui a quand même le bouton nucléaire. C'est quand même important. Nous ne sommes pas une puissance qui a des fourches et des pelles pour aller se battre. Donc, quelle sera la réaction d'Emmanuel Macron face au refus d'une... Grande partie de l'armée française d'aller se battre en Ukraine. Je réfléchis à une seconde question. La réaction d'Emmanuel Macron et posons-nous la question des conséquences. Quelles seront les conséquences du refus de l'armée française d'aller se battre en Ukraine D'une partie de l'armée française d'aller se battre en Ukraine deux questions, vous le voyez, qui sont à mon goût essentielles. Voyons tout de suite. Ah, la réaction d'Emmanuel Macron, en fait, une acceptation. En fait, je m'attendais à une colère. Je vais, être, je vais être franc avec vous, je m'attendais à une carte euh, martienne. Pas une autre. Et là, nous avons la carte du destin. En réalité, on a l'impression d'une acceptation euh, comme s'il ne pouvait... qu'il le savait qu'il ne pourrait rien faire. Il n'y a même pas de rebuffade, il est le chef de l'État. Sa réaction, c'est l'acceptation. Vous me direz, il n'a pas trop le choix. Si personne ne veut aller au combat, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse C'est vrai, dans un sens, vous auriez raison de me dire ça. Mais on ne sent pas... On sent presque un homme résigné. Ça montre à quel point Emmanuel Macron est faible finalement. Et il va tourner le refus de l'armée presque à son avantage, enfin, à son avantage, non, euh, presque comme s'il était euh, d'accord avec ça. Il va essayer de faire de la com en réalité. Mais c'est l'acceptation sans comme un homme résigné. Faiblesse du chef de l'État. Quelles seront les conséquences En réalité, l'armée française n'ira nulle part. Elle restera dans ses frontières. Hein. Le cloître, c'est l'idée dans ses frontières. Pour les conséquences pour l'armée, c'est dans les frontières. Et la conséquence sera aussi pour Emmanuel Macron. Enfermé, finalement, vis-à-vis -vis de sa position, euh, j'allais dire diplomatique, elle n'est pas très diplomatique, mais vis-à-vis de, -vis de cette situation belliqueuse. En réalité, tout ça, c'est un coup de com'. Tout ça va se terminer comme un coup de com'. Euh, Emmanuel Macron prend des positions guerrières pour faire peur, comme il a toujours fait, comme il a fait pendant le Covid. Il a mis la, la pression aux Français, il a voulu gouverner, il ne gouverne que par la peur, et il en est à gouverner par la peur, sauf que ça, à un moment, ça ne fonctionne plus Je vous donne rendez-vous pour un prochain tirage. A très bientôt les amis. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker la vidéo.